Bob da. Ouais, la course de l'enfance le matin. Oh, la course de l'enfance le matin. Ouais, la vérité finit tout par triompher. Ah ouais. Après plusieurs jours de combat, et puis voilà le résultat. Et c'est comme ça que notre pays va changer aussi. Voilà, c'est pourquoi on dit il y a des grands combats et il y a des petits combats. Est-ce que vous comprenez? Il y a des grands combats, il y a les petits combats. Voilà pourquoi on vous dit qu'il y a les grands combats. Il y a les petits combats. Et les petits combats, c'est facile, on va gagner. Oh, on gagne. Voilà. 41 ans au pouvoir s'en sort parce qu'il a l'armée. Milliardaire de quoi? Milliardaire de quoi? Quand on vous dit qu'il y a des gens qui ne touchaient pas, c'est sûr que Bobda, ces derniers temps, s'est touché une fille. Une fille que ses parents prient. Prient pour elle. Il n'a pas rien. On vous dit qu'on ne touche pas tous les enfants. Il y a des enfants issus des pécheurs. Il y a des enfants issus de la bénédiction. Méfie-toi quand tu touches les enfants des gens dans la rue là. Méfie-toi. Il y a un qui va coller sur toi. Et ce sera ta descente aux enfers. On ne touche pas tout le monde. Méfiez-vous. Quand Banga Diaspora parle là, tu parles comme moi, tu meurs. Tu fais comme moi, tu meurs. On ne touche pas tous les enfants. Ce n'est pas la chair de chaque enfant qu'on mange, même dans la sorcellerie. Les sorciers choisissent qui manger. Il y a des gens qu'on ne touche pas, tu touches. Il part avec toi. Oui, c'est ça la vie. C'est sûr que Bobda a touché le couetou d'une petite fille innocente. Les parents même ne connaissent pas. Mais la prière a dit que bon, toi, comme tu as touché un enfant issu de la bénédiction des innocents, non, toi là, tu vas partir. Tu vas partir. Mais oui, c'est comme Martinez. Dis donc, quand tu vois un homme, malgré ton pouvoir, ta force, il t'attaque à mon dos vision. Mais fais ton ne t'attaque pas à lui. Tu t'attaques. Vous allez descendre ensemble. Voilà, aujourd'hui, Bellingham, vous êtes couché. Non, on ne parle plus, c'est le passé. Ah ouais. Et il va te ramasser. C'est-à-dire qu'il ramasse toute la mafia, tout le monde, même les innocents dedans. Ah ouais. Il y a parmi eux ceux qui sont innocents. Mais quand vous étiez ensemble, vous marchez ensemble, mon ami, on m'en faut une sadiman, on m'en faut un gata. Oh, la carrière est détruite. Voilà, l'autre attendait qu'il va sortir, aller prendre son poste. Mon frère, on a dit que dis donc, même là-bas, même, tu ne mérites même plus être là-bas. Et, whoop, on t'a mis ton remplaçant. Et ton remplaçant ne vient pas de loin. C'est quelqu'un que souvent même tu boudais même. Voilà, c'est lui qui sera à ta place. Naïvidat, faites attention. Oh. Ne voyons pas seulement les affaires comme ça là. Tirons les leçons de vie. La leçon de vie, c'est quoi? 99 jours pour le voleur. Un seul jour pour le patron, pour la justice. La justice divine. Faites attention. Quoi que tu fasses dans ce monde. Ah ouais, Dieu va te laisser le temps. Il te laisse le temps de te repentir. Tu crois que tu es trop fort. Il te laisse le temps de te repentir. Tu crois que tu es trop couvert. Mais c'est une personne qui est assise quelque part qui va finir avec toi. Parce que tu as touché une personne. Ça a commencé comme l'amusement. Dis donc. J'ai mes amis, non, c'est les magistrats. Le moment venu là, tout le monde, mon ami, tout le monde te réunit. On te connaît même plus. À ce moment-là, tu penses qu'on te couvre. Il manque seulement moyen comment on va finir avec toi. On va même te tuer parce que, mon ami, c'est toute une mafia que tu dois dévoiler. Donc, comment on va arrêter les vivants là? C'est là bon. Parce que parfois, quand on te cherche là, c'est pour que après, tu dénonces toute la pyramide de la mafia. On a même peur. Donc tu t'amuses, on finit avec toi. Donc il a même chance comment on l'a arrêté vivant. Eh, mais les femmes aussi. Ah, Seigneur, les femmes. On dit qu'il était avec une petite. Ah, mais oui, parce que j'ai vu son accoutrement là. Il a en culotte. Vraiment, les femmes. Ah oui. Non, Babda, il faut que tu. Le jour que tu sors, je ne sais pas quand tu vas sortir. Mais le jour que tu sors, il faut épouser la fille là. Oui, c'est vrai. Laissez ça. Le seul être humain qui peut mourir avec toi, même le jour de ta pendaison, c'est la femme.
Non, non, c'est la femme. Tout le monde entier cherche quelqu'un. Non, 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 c'est la femme, la seule que tu peux convaincre. Elle dit que tu vas mourir maintenant là, mais elle est avec toi. Elle a été trop. Ouais, dis donc, ouais. Elle a toujours espoir. Ah, la femme. La femme peut aimer comme ça. Seigneur. Eh, les femmes. Non, non, c'est un ange à part. Il ne faut pas leur faire du mal, franchement. Oui, oui, oui. Il ne faut pas leur faire du mal. La femme. T'as te yamo. Ouais, dis donc, ouais. La femme, dis-moi. Elle te donne tout ce qu'elle a. Non, 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 non. Parmi les femmes, il y a les femmes. Non, oui, c'est nos grands-parents qui avaient compris. Mais oui. Et c'est de même de ces femmes-là que l'héritier sortait. Mais oui, même si c'était le mauvais enfant. C'est le genre de femme-là que le père épousait et il mettait tout son cœur. Et c'est à l'enfant de la femme-là qui choisissait son héritier. Mais le monde entier cherche tout le monde quelqu'un. Tout le monde, le visage de quelqu'un qui est... Même le bébé connaît déjà son visage. Hein? Même mon petit cousin m'appelle toujours, il me dit que grand frère, le gars ici là, c'est lui maintenant qui fait la une. Il dit que tout le monde est au courant. On est tous des acteurs de Facebook. Tout le monde. Mais on arrête, il avait une femme. Non, Bob, là, tu sors. Le jour où tu sors, tu épouses la fille là. Voilà ce qu'on appelle la loyauté. Oui, 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 oui. Oui, oui, non, c'est vrai. Voilà la loyauté comme ça là. Vous voyez souvent les gens ici épousent les femmes, quoi, c'est quoi? Souvent c'est la reconnaissance. Quand gâteau, elle a payé les conséquences. Hein? Quand cellulo, elle était là, elle a payé les dégâts collatéraux. On vient te chercher, oh, on l'arrête avec toi. Non, 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 non. Le monde entier te cherche, oh, quand même. On trouve quand même quelque part un auberge, c'est qu'est-ce que l'Angara le connaissait. Mais comment elle est là? Les femmes. Ouh, les femmes. Ah, respect à vous. Il a dit ce matin que la femme, la cousine directe du Satan. Non, c'est la femme. La mère qu'elle aime. Non, elle s'en fout. Dis donc, ouais, parlez que pour vous là-bas. Oh, ouais. Elle te y'a comme moi. Tu parles quoi là? Elle te y'a comme moi seulement. Tiens. Voilà, maintenant alors, les langues vont se dénuder. Oui, 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 oui. Les voix vont sortir. Voilà le temps d'aller porter plainte. Vous aviez peur hier parce qu'il était en liberté. Parce qu'il vous avait convaincu. Vous croyez que le gars l'a fait comment pour s'en sortir? Laissez les affaires qu'on dit qu'il y a l'argent. Il n'y a plus le cash. C'est les anciens riches. Oh, laissez ça. C'est les anciens riches. Le gars a sonné les gens par-ci par-là. Abus de confiance. Vous ne voyez pas les plaintes qui pouvaient parler. C'était un Shibaman, non? Quand vous voyez un homme a le temps de faire le genre de vie qu'il faisait là en tant qu'héritier, il n'y a plus 5 francs, non? Peut-être il y a les positions, mais il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. Maintenant, avec le nom du paquet, le nom de la famille, il cherchait les dunga. Il choisit même les dunga. Il y avait les gars mariés qui ont payé le gars là. Mais qui ne peut pas seulement parler. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'il tient. Il tient. Faites attention, hein. Quand le fils d'un bourgeois, d'un riche, est dangereux, hein. Il est très doux, hein. Et tu ne peux pas connaître le mal qu'il peut poser. Faut faire attention, quelqu'un qui est né dans une famille où le père avait les moyens. Si on te dit ce qu'il peut faire, tu ne peux pas imaginer. Oh. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est quand tu découvres ce qu'il a fait que tu dis que hey, c'est l'enfant qui est calme comme ça là. Alors que c'est un monstre. Et c'est un monstre. Mais oui. C'est le nom, non? Il n'y avait plus les deux. Bon, gigolotisme par là. Son âge par-ci par là. Il a bien en main. Il a organisé son monde. Voilà, il est bien couvert. Attendez, vous voyez les vidéos là, c'était l'intimidation, non? Quand tu vois les nièces se présenter là, adjudant, tant, il donne son matricule, tout et tout. Pourquoi c'est quoi? C'est ça qui intimide les gens. Chez lui, il fait tout et tout pour payer les relations. Voilà. Il était touchable, mais il fallait seulement quelqu'un qui va casser la... casser les œufs. Pour que bim, ça commence à sentir. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et il a tellement traumatisé ses victimes pendant les années. Et voilà ça. Chaque chose a une fin. Merci à tous ceux qui ont le courage de voir Zimanto. Et merci pour le travail que Zimanto a battu. Faut dire merci. C'est ça. Voilà ce qu'on dit qu'il faut être étudié sur la toile. Et avec le genre de travail, si, chacun va se remettre à sa place. Que chacun se revoie. Que mais, on va passer le temps à faire rire les gens sur Facebook. Ou bien parce qu'on veut voir nos enfants grandir. C'est ça le problème. C'est ça le problème, les jeunes frères et sœurs. Voilà ce qu'on dit un influenceur. C'est ce qu'on dit. Influencer, impacter, sauver des vies. Voilà ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on a créé les médias. Les médias d'abord. C'est ça. C'est la propagande du mal et du bien. Les médias peuvent mentir. Les médias peuvent dévoiler la vérité. Peuvent sauver. C'est ça. Voilà pourquoi les Occidentaux ont compris. Ça veut dire ça qui nous manipule. Je suis sûr que
que la seule chose qu'eux, ils ont détesté, c'est la venue des réseaux sociaux. Ils vont faire comment? Ce qui se passe ici à Jakarta maintenant, si tout le monde est au courant. Moi voici en direct. Voilà, moi voici en direct. Sur Jalan Harmony. Hein, le boulevard Harmony. Je m'en vais comme ça. Là, à Pasabaru. Donc, devant là, il y a la présidence de l'Indonésie. Mais voilà, ça va le direct. Voilà, ça veut dire qu'il y a un point maintenant là. Je fais le live, je vous montre. C'est ça. Les gars sont fâchés. Oui. Qui a dit que les réseaux sociaux, c'est quoi? Non, on ne considère pas ça. Au départ, les gens étaient fâchés. La jalousie. Surtout les journalistes. Les premiers jaloux des influenceurs et les blogueurs, les activistes. C'est les journalistes. C'est les journalistes. Parce que vous étiez trop zélés. Vous n'avez pas cru qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous damer le pion. Qui pouvait vous faire ombrage. Mais oui, aujourd'hui, j'ai besoin de faire ma chose. J'appelle encore la télévision. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? J'ai fait ma chose, je fais sur Facebook. J'ai mes 50 000 vues, j'ai mes 100 000 vues. Voilà ça que je suis en train de récolter les fonds, non? Dis donc, pardon, allez m'aider, dis donc, on est content. Au moins, sois content, va mettre $10 dans le PayPal de Mbanga Diaspora. L'anniversaire, c'est le 3 février. C'est dans quelques jours, là. Au moins, là où tu vas aller boire la bière, là. Va mettre $20, va mettre $10, va mettre $100. Va participer, mon frère, ma soeur. Merci à ma soeur du Luxembourg. Vraiment, j'ai reçu ton argent. Merci à toi. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ah oui, ma soeur de Luxembourg. Vraiment, je comprends que je ne suis pas seul. Vous m'aimez, dis donc. Moi, je comprends le travail que j'abats tous les jours. Oui. Sensibilisation. Chacun trouve son compte. C'est ça la vie. Voilà, on n'est pas complet. Oui. Nul n'est parfait, mais on se complète. C'est ça la vie, en fait. Quand c'est comme ça, là, je suis. Vraiment, je me sens. Je me sens heureux. Je comprends que non, au moins, je suis utile. Voilà, c'est ça la vie. Là, voilà, au moins. L'humiliation de ça. L'humiliation de ça. Avec un demi-chor. Dans une chambre, à peine, tu sens qu'il se cachait. Ce n'était plus le temps de chercher le luxe. Ce n'était plus le temps de porter la chaussure avec les chaussettes de rouge, bleu, vert. Non, ce n'était plus le temps là. Il fallait maintenant chercher un endroit délabré, bizarre, bizarre, pour se cacher à la petite. Les gars, laissez ça. Mon ami, il y a des choses dans la vie que quand ça t'arrive, tu n'auras plus jamais la force de faire encore la même chose, même si on te laisse. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas filmer quelqu'un, quand on l'arrête là, s'il était sage, lui-même partait au commissariat. S'il était sage, comme il ne peut pas fuir, il croyait que ça va se passer comment, hein? Voilà des gens qui disent qu'ils sont des personnalités, ils n'ont même pas le courage. Ils n'ont même pas le courage. Moi voici, activiste, on est venu chez moi, on a porté ma femme partir avec. Attendez, j'ai dit que mais vous me cherchez, non? Attendez, est-ce qu'il m'a eu un problème? Si c'est là-bas, si j'apprends que c'est là-bas là où on m'avait arrêté la première fois là. Mais c'est là-bas que je m'en vais, non? Je suis parti là-bas moi-même. Mais voilà les gens qui cherchent les problèmes. Et en même temps qui ont peur, tu te caches comment? Comment tu te caches? Quand ouais, lui aussi a déposé plainte. Déposer la plainte, c'est quoi? Je suis ici à Jakarta, il peut porter plainte au Cameroun. Pas mon avocat. Le courageux, c'est celui-là qui sait que bon. Il y a des plaintes contre moi, même seulement verbales. Moi, je m'en vais dans un commissariat. Mais oui, c'est ça. C'est ça, on dit un boy, dit man. Notre génération, non? Non, nous, on a gagné. Les gars, soyez wise. Est-ce que tu comptes bien? À un moment de la vie, si ce n'est pas qu'on va te tuer, quel que soit le problème que tu as, va te rendre à la justice. Vas-y. Ça ne sert à rien de te cacher, on va t'humilier comme ça. Là. C'est qu'un chico, à nos jours d'aujourd'hui, quand on t'arrête comme ça, là, mon ami, quel que soit ce qui se passe au Cameroun, ce n'est plus quelque chose de petit. Non. Les politiques, le système même utilise ça pour perdre le temps. C'est comme ça maintenant que ça se passe. Comme maintenant, alors, le cœur des Camerounais est apaisé. Et Paul Biya pas encore dormi dans son oreiller. Oui, il peut dormir sous son oreiller parce qu'il connaît. Il connaît, non, ouais. Mais pas l'amour de tête, pardon. Il dit qu'arrêtez-moi celui-là, pardon. Chanta bien. Table père, que papa, tu comprends ce qu'il y a dehors là. Tu vois, nous, on a les problèmes, non? Mais on dit que c'est un gars. Voilà, il est souvent là comme ça, là même. Mais on a même vu les militaires lui donner le garde-vous. Tu le connais? On le connaît, mais ce n'est pas le temps de protéger quelqu'un, pardon. Tu connais, on a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Ah non, on a trop de problèmes, pardon, il faut le sacrifier. Ah, pardon, pardon, on va pas nous le problème, pardon. Lui-même, c'est bien qui, non? L'agent, son père le dérange. On dit qu'il prend les enfants des gens. Dis donc, ah, ouf. Et même, on le prend. Ouf. Oh, je suis l'ami de tel. Laissez ça. Vous êtes dit au Cameroun là que c'est parce que vous n'êtes pas retombé sur les vrais gens. Je parlais sur l'autre jour. Je dis que c'est parce que vous n'êtes pas retombé sur les vrais gens. Vous cherchez les petites personnes,
avec le petit cerveau, vous les attaquez. Quand quelqu'un vient m'attaquer un jour, moi, jusqu'à ce que je connais, c'est toi. Ah, je meurs sur toi. Tu vas me tuer, mais c'est que je suis que ta famille va te regretter aussi. Ah, tu seras mort avant de me tuer. Tu seras mort. D'abord, je ne dois pas te laisser le temps de me tuer. Parce que si je suis que vais t'avoir le premier. Parce que sans que moi, ma vie est en danger pour toi. Non, je t'attaque. Attendez. La meilleure manière de se protéger, c'est la contre-attaque, non? Attends, j'attends quoi? Tu dis que tu vas me tuer, je te laisse. Comment? Je te donne même pas la chance là. Allez, Dieu dans le chantiment. Ah bien, c'est Katika. Oh oh, je lis tes intentions. Je lis tes idées. Même quand j'étais petit à mes amis, on ne me tapait pas. Parce que c'était l'homme de la lâcheté. Non, moi je rembais Marongiou. Ouf, allez, ben you. Ah, parlez quoi là? Je suis pas fort même. Là, j'étais à Rongiou. Non, ping. Je suis parti. Mon don était la course. Je courais comme comme la girafe. Comme le lièvre. Oh, je suis fort. Mais casse la bouteille sur ta tête. Allô, man. Je suis fort. Que tu es fort, plus que qui? Je me promets la mort, je te vois. Tu es malade. Je sens, je vais mourir. Écoute-moi bien. On ne meurt qu'une seule fois. Quelqu'un te promet la mort, tu le laisses. Il t'a raté. Non, mon ami. Même avec la danse, tu suis ça. Oh, ouais. Tu mets la. Là où ça va prendre. Il aura un souvenir de toi un jour. Il va comprendre que on ne cherche pas les problèmes à tout le monde. C'est vous-même qui laissez. Vous, la nouvelle génération, là, les femmes d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, vous avez fait l'arrêter comme ça, là. Il ne vous a même pas enrichi. Alors qu'un gars comme ça, vous courez avec. J'ai vu une femme là. Je suis allé une fois au tribunal. Une affaire avec un couteau, ce qui est une femme là. Elle était petite de corps comme ça là. Quand tu la vois, tu sens qu'elle n'a rien. Mais à son tour, qu'elle a pris la parole au tribunal de Bonanjo. Ouais, oh, ouais. Tout juste parce qu'on dit qu'on est venu faire quoi, oh. Couteau, ce qui est un espace là-bas quelque part. C'est une affaire comme ça là. À l'époque, on avait volé mon taxi. J'allais au tribunal chaque temps parfois. Mais la femme là, je suis sûr que peut-être on avait donné quelque chose. On dit qu'on a cassé son comptoir, un comptoir qu'on évalue. Je comprenais les chiffres d'argent. Attendez, mais vous êtes là, vous êtes victime des gens qui ont l'argent, mais c'est vous qui vous cachez. Qui vous a dit ça? Même chez les Watts, même dans les grands pays, c'est le riche qui évite le pauvre. Parce que tu l'attaques, vous allez mourir au tribunal. C'est vous qui ne comprenez pas. Arrêtez de faire confiance à certains hommes en tenue. Ouais, Seigneur. Tu as affaire à quelqu'un, va voir un avocat, va voir un huissier, on lui fait une citation directe. On passe seulement le signifier le jour qu'il y a audience. Pourquoi vous les Camerounais sont comme ça? Que non, je suis allé porter plainte au commissariat. Mais tu laisses ça là-bas. Fais-lui une citation directe. Fais-lui une citation directe. Ça ne coûte même pas 30 000. Ou même 28 000 combien, hein? Pourquoi vous êtes comme ça même? Au moins, il comprend que celui-ci est différent des autres. Chaque jour, les gens portent plainte. Non, ça n'a pas abouti. Il a porté plainte au commissariat. Ça n'a pas abouti. Va porter plainte. Oui, on connaît, il n'y a pas la loi. Mais quand tu vas porter plainte en faisant une citation directe, la personne va comprendre que tu es différent des autres. Et quel que soit le statut de chacun, quand déjà tu es cité devant la barre, celui à qui tu as le problème commence à réfléchir sur toi. Tu vas amener quelqu'un au commissariat, brigade, CMIL, CED. Mon ami, c'est les hommes en tenue, c'est les OPJ. C'est les OPJ. Ils peuvent prendre ton affaire, ils bloquent. Mais oui, c'est les OPJ. Mais quand tu es au tribunal, même s'il n'y a pas justice, là, même si on ne rend pas justice, au moins, on l'aura au moins signifié le jour de l'audience. Il va commencer à te voir autrement. Et prochainement, il va te respecter quand il va te voir. Parce qu'il va comprendre que le monsieur là et moi, on a une affaire pendant que tu es devant la barre. Voilà le temps. Hein. Voilà. Quand un lion est blessé comme ça là, voilà le temps pour vous d'aller maintenant le trouver au commissariat. Allez déposer vos plaintes. Et pour moi, vous là, allez même faire une fois une station directe pour certains. Voilà. Tu as tes preuves. Voilà les gens qui sont en train de porter plainte. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Que quand vous doit 9 millions, vous dites que à la galipe, on va faire comment? Hein? On va faire comment? Quelqu'un te doit 9 millions, 2 millions. Les Guy Watson. Hein? Voilà un monsieur qui a pris ta Yaris. On dit qu'il n'a pas fini l'argent. 2 millions, tu ne parles pas. Vous dites artiste.
Alors pourquoi le Cameroun n'avance pas? Hein? Tu es un personnage public, un artiste. Quand vous dites que venez sur Facebook, tout le monde, vous êtes villageois, vous êtes tout derrière. Hein? C'est le nouveau monde. Voici l'outil qui va nous sauver. Voici l'outil qui. C'est, en fait, ça nous sauve même. Ça va nous sauver comment? Ça nous sauve même déjà. Aujourd'hui, chacun a peur de faire n'importe quoi. Chacun a peur de dire n'importe quoi. Parce que tu dis, ce que tu fais peut se retourner contre toi grâce à ceci. On a vu que Dr. Vincent Eden l'autre jour qui a dit qu'il n'a jamais été convoqué. Alors qu'il a une vidéo précédente où il avait dit qu'en 2000, tant, il a bouffé la tontine. On l'a convoqué dans le commissariat. Attends, il fait comme s'il parlait à une autre personne. Tu parlais à toi-même et tu as partagé pour montrer que tu es dangereux. Maintenant, on prend ça. Comment tu dis que tu n'as jamais été convoqué à la semaine? C'est ça la vie. Voilà ce qui va nous trahir demain. Nous tous, on laisse les preuves là-bas dedans. Le jour que ça arrive, tu bouffes seulement ta tontine. Tu restes tranquille, terminé. Mais prouve qu'il ne faut pas avoir pris l'argent des gens. Arrêtez ça. Arrêtez de commettre des délits graves comme ça là. Le viol, les agressions sur les personnes, ce n'est pas bien. Si tu es fort, va bagarrer comme Francis Ngannou. Si tu es fort, voilà ce qu'il faut faire. Et tout ce qu'on va parler là, je suis que le type là, dans Manisik, qu'on laisse ça. Dans Manisik. Et vous voyez le comportement des gens sur Facebook. Eh, vraiment, il y a là une fille là qui est comme ça là. Il ne veut pas m'en parler. Hein? Mais c'est quoi, oh? Regardez les gens comme ça là. Une femme qui a les enfants. Ils sont toujours du mauvais côté. Le fond est sombre. Le fond est méchant. Hein? J'ai vu une vidéo l'autre jour. Je n'ai même pas vu d'appeler son nom. Pourquoi c'est tous les gens qui sont en France qui ont les dégagements bizarres comme ça là? Moi je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas les Camerounais de Londres qui foutent de la merde? Pourquoi c'est toujours les blogueurs là? Pourquoi? C'est trop de stress ou bien c'est quoi même? Hein? C'est qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi sortes-toi à gauche? Il y a un là aussi, lui aussi avait les boutons sur son visage. Il allait prendre notre petite soeur. En fait, parfois tout ce qui s'assemble se ressemble. Et ça m'a pitié d'elle. Bah, celui-là, la manière qu'il fait là, il se comporte, tous les gens qui n'ont plus rien à perdre. Mais franchement, il y a les gens, non, il y a les gens, quand tu les vois à leur côté, non. Pour eux, c'est le gang. Pour eux, c'est le gang. Ils n'ont aucune compassion. Non, ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de compassion. Avec mon ami Fridolin qui. Hein? Voilà ma part d'amis aussi. Voilà quelqu'un qu'on a giflé, il a pleuré, tout le monde a eu pitié de lui. On cotisait chaque temps. Mais il prend toujours un côté bizarre. Mais c'est quoi non mon frère? Surtout parce qu'on veut l'argent. Il faut tout prendre le mauvais côté, Fridolinke. Quel est ce manier même là? Je t'ai pas connu comme ça. Et quand on parle, mais c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça quand même. Tu as quand même subi hier, mais pourquoi subitement vous êtes à gauche, vous êtes à droite, c'est quoi? C'est quoi? Je comprends aujourd'hui que ça dit le combat est comme le commerce pour certains. Mais oui, le commerce est pour certains. Et ce ne va pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette incohérence? Mais vous faites peur, vous faites. Non, vous faites peur, franchement. Vous faites peur, mais vous faites peur. Vous faites à ce que. C'est pourquoi moi j'aime pas mes distances. Fréquenter certains personnages, ça me fait peur. Ça me fait peur. Hein? C'est pourquoi les gens en gros, là, même je peux même pas me lever. Tu bois. Mais tu n'as pas le courage d'aller faire pipi. Mais oui, pour ton éducation, tu évites d'aller faire pipi. Parce que quand je reviens là, je ne bois plus. Jusqu'à ce que j'ai fini mon pot. Et tu n'es même plus en sécurité. Vous voyez des personnes. Attendez. Vous savez, il y a des choses que tu peux faire dans le noir. Là, tu ne t'affiches pas. C'est bien sûr que Dieu voit tout ce que tu fais. Mais déjà, prendre position pour une affaire aussi grave, fermez la gueule quand même. Fermez la gueule, vous pouvez le cadre de qui? L'homme est imprévisible. Hein? Même mon enfant, un jour, si on me dit qu'il a fait certaines choses, je me calme d'abord, je regarde. Même pour le sauver la vie, il faut d'abord que je me calme, j'observe. Parce que ça peut être vrai. Attendez, je me contredis moi-même. En ce moment-là, on lui donne la sentence que je ne m'attendais pas. Mais au moins, sois d'abord d'accord avec la masse. La vie, c'est ça, la stratégie. La vie, c'est ça. Hein? C'est vrai que maintenant, tu vois, chacun lève la voix que non. Mais mon ami, chacun a d'abord ses problèmes dans sa propre famille. Dans toutes les familles du monde, chacun a ses problèmes avec l'un de ses frères. C'est depuis l'enfance. Celui-ci, on bagarrait trop. Celui-ci, on discutait trop. C'est comme ça. Donc, dans tous les problèmes de toutes les familles, même les pauvres ont les problèmes. Combien de fois là où il y a l'argent? Mais ça n'empêche pas que celui-là a une vie bizarre. J'ai vu le grand père Raymond Tchengang hier voulait expliquer que non, c'est les affaires de famille. Attendez, mais les affaires de famille, c'est aujourd'hui. C'est nouveau. Moi, même si là, j'ai les soeurs avec qui j'ai fait les années sans parler. Il y a quoi?
Mais oui, moi, même si j'ai fait des années à mes soeurs, ça nous parle. Mais ça n'empêche pas que je peux être quelqu'un qui a des vices. Hein? Je peux être quelqu'un qui est un criminel. Je peux être quelqu'un de mauvaise moralité. Mais ça n'empêche pas que chacun de nous a des problèmes de famille. Mais c'est clair. C'est clair. Il y a des hommes responsables, mais qui sont ailleurs des criminels. Tu vas voir un père responsable, un bon mari, mais ailleurs c'est un criminel. Mais ça n'empêche pas qu'il est criminel, mais c'est un bon père de famille. Tu vas faire comment? Donc c'est pas parce qu'il est héritier, il a des problèmes avec ses frères dans sa famille, que ça le dédouane peut-être des accusations qui lui sont reprochées. Il bénéficie de la circonstance atteignante. Oui, il n'est pas encore condamné, mais il est soupçonné. Même la plainte doit être verbale. On prend en considération. C'est comme une main levée. Vous voulez quoi là? C'est aussi pour sauver la société. Qu'est-ce qui ne va pas que les gens prennent position? Tu comprends que ceux-ci là même, ils sont même, ou bien c'est quoi? Donc les gens ne sont même pas sages. Il y a même des choses qu'on ne se mêle pas parce que c'est trop chaud pour se mêler. Il y a des choses dans la vie quand tu es sage. En fait, les gens manquent trop de sagesse. Réseaux sociaux, hein, ça a gâté beaucoup la vie des gens, franchement. Les gens font les choses avant de regretter. Ouais, oui. Dans les réseaux sociaux, si tu es motivé, tu es mort en guerre. Non, tu es mort en guerre. Tu es mort, non, tu es mort en guerre. C'est pourquoi je ne cours pas pour une information sur les réseaux sociaux. Ah oui. Non, j'ai beaucoup à donner. J'ai beaucoup à dire. Il y a la vie. Pour parler des réseaux sociaux, mon ami, tu peux passer ton vécu à parler rien que de la vie. Pendant même 100 ans, ça ne te nuit à rien. Voilà. Faut apprendre à méditer. Apprendre avant de prendre position. Il faut bien observer que, mais, on parle même de quoi là d'abord? On parle de quelqu'un qui arrête les petits mounas, qui les tourment, même si elles sont consentantes. Est-ce que c'est bien? Et on dit qu'il semblerait qu'il souffre de cette maladie là. La maladie qu'on connaît là. Imaginez que votre fille, qui n'a même à la fleur de l'âge, a dans la maladie là, alors que ce n'est pas toi, à sa naissance, qui l'a contaminé de ça. Ce n'est pas toi. Que c'est un individu qui n'est ni le père de son enfant. Juste pour une nuit, il a sacrifié la fille dessus. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc il y a des sujets que parfois dans la vie, même quelle que soit l'affinité que tu as avec la personne, tu gardes ton silence d'abord. Tu gardes ton silence. Arrêtons ça quand même. Il y a des choses parfois qu'on voit sur la toile. On voit, on regarde. C'est comme la dernière fois, la vidéo que Zuman avait pris sur ma page là. Sur le snack qui était à Dakar là, où on disait que les fils agressaient là, tout ça. Mais attendez. Le propriétaire de la place, moi je le connais. Il était ici à Jakarta avec moi. Je le connais. Et on est parti écrire là-bas que le chef moto est toujours là où il y a les petites filles. Alors que c'était sa première fois de partir là-bas. C'est moi qui l'amène là-bas parce qu'on peut avoir un frère à nous. Qui est venu, il m'appelle. Je dis que, bon, moto, allons quelque part là. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous donner. C'est comme ça qu'on parle au jour là, directement. Je suis assez calme. Je suis assez calme parfois dans la vie. Alors que je connais que celui-là, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Dans la vie, c'est ça parfois. Quelqu'un peut être là. On l'accuse, c'est ton frère. Tu fermes ta gueule. C'est au moins mieux. Suis d'abord la masse. Suis d'abord la volonté de la majorité. La volonté de la majorité. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, après ça, dans la masse, tu peux dire que comme vous voyez là, ça se fait même en justice, ce n'est pas la corruption. Monsieur, un juge est capable de voir son père être criminel. Attendez, fais attention, il renonce au dossier là. Oui, c'est possible. Voilà pourquoi quand on sent que vous avez des affinités avec une personne, on ne te confie pas un dossier. On ne te coache pas un dossier. C'est comme ça. C'est tout à fait normal. Et même toi-même, le prévenu, tu te rends compte que le juge aussi a les affinités avec ta victime ou bien ton plaignant. Tu peux demander de changer un juge. C'est possible. C'est possible dans la vie. Hein? C'est possible, les gars. Apprenons à être grand dans la tête. Hein? Arrêtons de nous prononcer n'importe comment sur les dossiers aussi sensibles comme ça, là. Quelles que soient les affinités. Puisque ça nous discrédite pour rien. Et on perd le peu d'affection et peu d'amour, le respect qu'on avait pour certains. Et la vie, pour que tu perdes ton respect dans ce monde, pour ce que tu as bâti pendant les années, hein, c'est en rien du tout, hein, c'est en quelques minutes, et même c'est fini. Non, c'est fini. Nous, on connaît les enfants des milliardaires. Mais oui, mais
d'une mauvaise moralité que tu ne peux même pas imaginer. C'est juste le nom du père qui couvre ce qu'ils font. Ou bien l'argent. Mais qu'au fond, c'est des bad boys. Même les femmes, on te dit ce que la femme l'a fait, sa fille. Tu vois, Wanda, que, donc c'est la fille de milliardaire qui fait ça. Donc arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Donc vraiment, il a été mis aux arrêts. Maintenant, qu'on mène les enquêtes, voilà, quelqu'un va dormir. Et puis, notre frère jumeau, tu vas se reposer. Il faut applaudir pour lui. Mettez le cœur pour lui. Mettez le cœur, c'est ça. Voilà la force des réseaux sociaux. C'est ça la vie. Et il faut aussi maintenant aller porter plainte. Maintenant, il y a le gars là-bas, maintenant, les vraies plaintes vont sortir. Oui, les vraies plaintes vont sortir. Parce que parfois, quand tu es en liberté, là, il y a des gens qui n'ont pas le courage. Jusqu'au jour où on t'arrête. Là, tu confirmes. Là, tu confirmes. Parfois, ceux qui ont mal ne parlent pas. C'est comme la maladie, non? Ou bien l'accident. Voilà. J'ai un grand frère qui est urgentiste. Il me dit, petit frère, quand nous, il y a un cas d'accident, non, tu peux crier là, je ne passe même pas à côté de toi. Parce que les vrais accidentés sont ceux qui n'ont même pas la force de parler. Donc c'est eux-là qui sont les cas d'urgence. Toi qui es en train de crier là, que sauvez-moi, mon ami, on passe d'abord sur toi. Surtout quand il y a assez de gens. On prend que les gens qui sont calmes là. Parce qu'il est coincé là, il n'a même pas la force. Tu vois un gars que le poumon a percé, le fer entre ça a percé son ventre. Traverser le poumon, sortir dans son dos. Il est là, il n'a même pas la force de parler. C'est le sang qui sort dans sa bouche. Donc il sent que s'il parle là, il perd le sang. C'est lui là qu'il faut se battre pour l'enlever. Et après, on te dit que c'est un survif. Et celui qui criait là, tu te rends compte qu'il crie parce qu'il sent la douleur. Qui t'a dit que quelqu'un qui est vraiment accidenté sent la douleur? Il ne sent même pas son membre. Quand la mort vient, on ne sent plus rien, mon frère. Donc, voilà, les vraies victimes de Bobda sont des personnes, voilà, qui ont perdu beaucoup, qui ne veulent même pas parler. Il ne faut pas aussi les en vouloir, hein. C'est pas facile. Voilà, quelqu'un qui est dans son coin, qui a menti son gars pendant les années, voilà, que peut-être c'est même toi, vous savez, la femme, voilà. Ou bien tu vas voir un gars, il est là, il est malade depuis les années. Il ne peut pas dire où il a porté ça. Il a là commencé sa vie, ça fait longtemps qu'il vit dans sa vie. Il ne peut plus relever les morts. Il est dans son coin. Il y a certains qui ont eu la chance, qui n'ont pas eu ça. Voilà, qui sont allés faire les examens, voilà. Maintenant, les vrais, ceux qui ont vraiment mal là, ils sont dans leur coin. Ils méditent. Ils ont remis tout entre les mains de Dieu. C'est comme ça. Donc, parfois, vous voyez quelqu'un sortir d'une affaire. Vous dites que non, c'est parce que les vrais coupables, parfois, ne se plaignent même pas. Voilà. Ils ne se plaignent même pas, parfois. Parce qu'on les a trop fait du mal. Bah oui. On les a trop fait du mal dans la vie. Faisons beaucoup attention à la famille. Vraiment. Il fallait vraiment mettre ce monsieur hors d'état de nuit. Voilà. Il était nuisible pour la société. Il était dangereux pour la société. Et disons merci aux réseaux sociaux. Voilà. Et ça avait cette mentalité-là. Cette manière de vivre-là comme nous allons construire l'Afrique. Voilà comment on dit pour une fois. Pour une fois encore. Une fois de plus. Voilà la force des réseaux sociaux. C'est ça les médias. Voilà, relayer l'information, c'est tout ce qu'on a besoin dans ce monde. Relayer l'information, c'est ça qu'on a besoin. Il n'y a pas deux choses. Et c'est vous les fans, à dorénavant, demandez à vos influenceurs que vous dites que c'est voici ma star, voici, à se revoir. Revoyez-vous. Arrêtez de faire la récupération. Elles sont nombreuses là-bas. Oh, ou bien c'est quoi, ou bien c'est que là-bas, les barènes, ou bien c'est quoi. Oh. Que non, Zuman te dit la vérité, mais il manque beaucoup, me dit elle. Déjà, le fait qu'on parle que c'est la vérité, tu restes calme. Tu sais pas que même la vérité, pour le dire, il faut le dire d'une autre manière pour que ça fasse mal. C'est ça la vie. Tu n'as pas été au tribunal devant là. Tu n'as pas été au tribunal. L'avocat du camp adverse, la main qui te pousse à la faute, il te met la pression, il te fait même dire même ce que tu n'as jamais dit dans ta vie. C'est ça. C'est ça, on dit pour élucider un crime. Pour dévoiler un crime. Pour dévoiler un coupable, on passe à la vitesse supérieure. On ne lui fait pas cadeau. Arrêtez de venir là parce qu'on a les pages monétisées, on veut l'argent. On veut se mêler de chaque dossier. Les dossiers que vous ne pouvez jamais avoir le courage de débattre. C'est pas le Congo ça. Il faut arrêter ça parfois. Il faut parfois arrêter. Sandy Chamba, il faut souvent dire à vos mots, c'est quoi la mère d'Isabelle là? Qu'elle reste dans sa ligne. Hein? Qu'elle parle du piment, le clash, c'est comme ça, on vous connaît comme ça là. Arrêtez de venir vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas, qui ne sont même pas à votre niveau. Que si on vous gifle là, vous allez fermer votre gueule. Vous ne pouvez pas. On vous évite votre tour là, vous venez semer la zizanie.
Vous voulez toujours entrer dans le carrefourage pour vous mêler. Peut-être parce qu'on vous a donné des miettes. C'est pas votre domaine là-bas. Le Cameroun va changer. Chacun va rendre compte le moment venu. On vous regarde seulement là. Et c'est en train de changer. Mettez-vous, mêlez-vous toujours des affaires qui ne nous concernent pas. Ça, c'est les affaires d'État. Pour vous, parce qu'il faut se mêler, il faut absolument dire que j'avais aussi parlé pour telle affaire. Faites attention. Le Cameroun va changer. C'est vous qui êtes là, on vous blague. Nous, là, on est prêts. Attendez, moi, je suis prêt à tout. Hein. Je suis prêt à mourir. Hein. Mais la manière que vous aimez boire vos vins quand vous faites vos directs là, ne venez pas vous mêler dans les affaires qui ne vous concernent pas, qui sont aussi risquées. On vous met en garde. Hein. Faites attention. On est sérieux. Hein. Alors, on va vous blaguer. Voilà. Vous blaguez. Vous blaguez. Voilà. Vous blaguez. Que oh, tellement. On parle que les filles, même si c'est seulement deux personnes, même s'il a menti, même si c'est seulement deux personnes, elles sont victimes. Quand oui, il a dit la vérité, mais si d'autres, il ment. Mais quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu veux la vérité ou pas? Mais quand vous voulez tout vous mêler dans les choses qui ne vous méritent pas, les choses que vous ne pouvez même pas déclencher. Bah, tout ce que vous faites là, vous attaquez les. Vous mêlez des faux dossiers. Vous pouvez entrer dans les vrais dossiers là. Il y a les dossiers que tu te mêles. On saute ta tête. Hein. Ta tête, tu perds. Les choses que nous on dit chaque temps là. C'est vous là, vous venez au Cameroun là. Vous ne vous méfiez même pas. Vous venez au Cameroun, vous marchez là comme ça. Je ris seulement. Je vous vois là, je ris. Et que voilà les gens qui s'asseyent, qui parlent de la vie des gens. Vous faites ça à quelqu'un vrai là. Vous allez voir ce que vous cherchez. N'importe quoi. Les gens mènent les vrais combats. Vous êtes là. Restez dans votre. Que chacun reste sur sa ligne. Vous partez où? C'est votre domaine. C'est votre domaine. Parce que vous voulez un jour aussi qu'on dise que non, je t'avais soutenu. Tout pour vous se limite à l'argent. À des miettes. Parce qu'après, quand vous n'avez pas de dossier, vous êtes là avec vos abeilles qui vous suivent là. Mais attendez, mais créez vos insultes, créez le buzz. Elles sont toujours là, elles aiment ça. Elles aiment ça. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais vous venez vous mêler des affaires d'État. Des affaires aussi graves. Hein, vous voulez faire incursion. Vous voulez faire la discrétion, la zizanie, vous voulez qu'ils s'aiment. Faites attention, on vous voit, on compte. Voilà. Vous êtes des personnes dangereuses. Parce que tout se limite, tout pour vous, c'est le gain. Tous les sujets pour vous, c'est que je vais gagner quoi dedans. Je vais gagner quoi dedans. Toujours, vous blaguez avec les morts. Je me demande comment vous enterrez. On va vous enterrer le sens, le mal qui va vous arriver, vous allez blaguer. Vous allez mourir avec le corps pourri. Je vous dis ça bien. On a connu ici, mais c'est Bob. Voilà un gars qui est mort, vous venez faire les directs. Non, on l'a vu. Mais attendez, vous faites même comment même? Demain, c'est vous qui allez critiquer la petite fille là. Oui, c'est Oshiga qui se cherche. C'est vous qui avez déjà tout. Mais c'est vous qui vous mêlez de tout. Les fausses affaires. Vous blaguez même avec les morts. Hein? Il y a des gens qu'on les voit ici, on les déteste parfois. Alors qu'en réalité, on ne doit même pas les détester. Parce que ceux-là qui veulent pousser les gens à les détester sont même plus pires. On a vu ici Bob Lee. On vous a vu comment vous êtes sorti là. Parce que non, le gars n'est pas mort. Parce que vous voulez que ça perdure le buzz. Vous voulez avoir l'argent. Même sur les cadavres. Mais arrêtez ça quand même. Vous blaguez. Hein? Vous blaguez là. Faites attention. J'ai vu beaucoup. Hein? Voilà un gars, non? Son père lui a laissé toute une fortune, non? Regardez sa fin. C'est comme ça alors. Pensez à la vie de cette manière là. Voilà, donc tu peux tout gagner là, un matin là, ça s'écroule comme un château de cartes. Ce n'est pas ce que tu as fait à quelqu'un maintenant là, ce que tu as fait depuis, ça va tu vas rendre compte à ton comportement du passé. Vous blaguez, n'importe quoi. Voilà. C'est pourquoi moi, le jour que je parle d'un mort, quand je parle d'un mort, je ne vends rien. C'est parce qu'on ne connaît pas les options que quand tu veux faire un direct, tu enlèves l'option des étoiles là, sinon... Quand je parle de la mort, je ne vends rien, je ne veux rien avoir. Parce qu'on a te parlé de la mort, monsieur. Soit tu récoltes les fonds là, que tu vas donner à la famille. Mais tu peux parler d'un mort. Et par la suite, tu pointes l'argent sur le nom du mort là. Vous êtes là, on voit les gens qui parlent des morts. Après ça, subitement, ils vendent des choses. Et puis vous serez surpris du sort qui va frapper vos enfants demain. Vous êtes malade. Vous blaguez avec Dieu. Vous blaguez. Non, Dieu vous voit. Faites attention. Dieu vous voit. Voilà un gars, non? Qu'on a laissé les milliards, non? Regardez sa vie, comment. L'humiliation seulement, ça dépasse tout. L'humiliation qu'il est en train de subir, là, ça dépasse tout. Ça va rester dans l'histoire. Quand on lui a pris un petit choc à leçon, il était en choc à leçon, dans une chambre d'hôtel.
Voilà, un côté de plafond qui était percé. Oui, oui, oui. Alors que quelqu'un qu'on a souvent l'habitude de voir, cet homme, on le voit souvent dans les maisons luxueuses, tout et tout. Regardez vous-même la vie d'un homme. C'est comme ça aussi. Que Dieu va t'élever en public. Dieu va te descendre en public. En fonction de notre mode de vie. En ce moment de la vie, là-bas, toi, normalement, tu gagnes ta petite vie. Le Dieu peut t'ingérer dans les affaires, bizarrement, de la mauvaise des manières, comme si vous voulez soutenir le bourreau. Quand quelqu'un est en train de mener une affaire, et que vous savez que c'est, l'affaire est vraie, tu n'as pas besoin. J'ai quelqu'un qui m'a fait quelque chose sur les réseaux sociaux. J'ai voulu parler de lui, mais je l'ai pardonné. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pardonné. C'est parce qu'il a abattu un travail récemment. Mais il m'a abusé, j'ai des preuves. J'ai dit, ah, comme c'est un combattant, on se partage les idées. Bon, je ferme mes yeux sur ça. Je ferme mes yeux sur ça. Il m'a abusé, c'est mon argent à moi. C'est mon argent. Je suis libre de le laisser. Quand quelqu'un mène un combat qui est au-dessus de sa vie, il devient un héros. Il mérite le respect. Vous êtes là, vous ne vous mêlez pas des affaires difficiles du pays. Vous êtes les profiteurs, les profiteuses. Donc, automatiquement, respectez ceux qui prennent les risques. C'est ceux qui prennent les risques. On vous a arrêté au Cameroun, on vous a mis en cellule parce que vous avez insulté les gens. Vous vous indexez dans la vie des gens. Vous vous mêlez de la vie des gens. Vous sabotez les gens. Mais nous, on nous arrête parce qu'on dit, que le système, c'est mauvais. Vous ne voyez pas que c'est deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on a le même balance? On n'est pas du même niveau. Comment moi, je dois être en train de gérer mes choses. Toi, tu viens te mêler dedans. Comment? C'est vous qui dites qu'on ne fait pas la politique. Mais quand un sujet de politique chauffe, vous venez, au lieu d'être du bon côté, vous voulez être toujours du côté du bourreau. Vous êtes très malin, vous croyez qu'on ne connaît pas ce que vous êtes. Vous êtes très malin. C'est parce que tout pour vous, ça tourne quand un matin, je vais le voir, j'aurai un peu d'argent. C'est ça le problème. Faites attention. Il y a des sujets auxquels on ne blague pas. Je vous mets en garde, c'est comme ça là. Voilà. Il y a des sujets auxquels on ne blague pas. Tout pour vous là, c'est que c'est l'argent. Non, je vais avoir un peu. C'est pour avoir l'amitié. C'est le temps d'avoir l'amitié avec lui. On dit qu'il a l'argent. On dit que son père lui a laissé les milliards. Vous êtes prêt à tout. Hein? Vous êtes prêt à tout. Parce que vous voulez un peu d'argent. Faites attention. Vous ne voyez pas qu'on cherche l'argent. Et chaque jour, on a toujours besoin d'argent. Voilà. Si à un moment de la vie là, on ne comprend pas que l'argent c'est le papier. Nous tous, on cherche l'argent. Et parfois, on a l'argent. On a toujours l'argent. On a toujours besoin d'argent. Vous ne comprenez pas ça? Que la vie ne se limite pas seulement toujours à l'argent. Mais oui. Nous voici. On disait qu'on veut la... On a conçu la maison. On a même conçu les choses pour nous donner la location, les petits locataires. Mais nous voici, on est tout dehors, on cherche l'argent. Vous ne comprenez pas ça qu'à un moment de la vie, on ne force plus certaines choses. Tu vois l'argent, mais l'argent là, il faut que tu le manges sans réfléchir. Sans avoir les mauvais rêves dans ta vie. C'est très important. Faisons beaucoup attention. L'argent. L'argent sur le papier. Où sont ceux qui étaient milliardaires là? Où sont ceux-là? Ils sont couchés aujourd'hui en prison. Voilà les gens qui avaient l'argent, ils sont où? Cherche l'argent n'importe comment, tu n'auras jamais l'argent comme Michel Fosso. Michel Fosso, on parle de lui, ça vous dit rien. Vous avez que l'argent. L'argent c'est quoi? L'argent c'est même quoi? La dignité, comme disent les Bagantés. On connaît Chamoni. On connaît Chamoni. Où sont les Mebengo? Où sont les Mebengo? Les argentiers, ils sont où? Il est couché. Quand tu le vois à Kondengi, il est frais, mais il est en prison avec sa femme. Il est en prison avec sa femme. Au nom de quoi? Au nom de l'argent. Mais vous là, vous êtes prêts à tout pour les miettes. Pour avoir la sympathie de quelques personnes. Parce que vous avez les affinités avec certaines personnes. On vous appelle pour les choses aussi graves. Vous vous engagez. Faites attention. Arrêtez de porter la malédiction. Vous blaguez. Vous avez quel argent? Voilà, tu sais, qui est sorti de la prison. 17 ans de prison. Tu as l'argent que lui. C'est les pères qui ont l'argent, la magie. The house is a mansion. Mansion. Les maisons sont comme les malls. Tous ces gens-là. Oh, ils sont en prison. Benigna Mugoyo, en prison. Il est en prison, bien couché. On ne parle plus de lui. Comme tout pour vous, c'est l'argent-là. Un frère en train de mêler un combat. Et toi-même, nous sommes presque tous la même famille. Nous sommes les blogueurs. Nous sommes les influenceurs. Nous sommes les personnages publics. Et quand ton frère a un dossier aussi sensible, qu'est-ce que tu fais? Ne viens pas faire incursion.
Mais oui, ne viens pas déranger. Laisse Gaboy là-bas le travail. Mais vous venez vous mêler là. Vous faites semblant. Pourquoi? Parce que vous voulez exister. La vie nous enseigne. Oui, bien sûr, la vie nous enseigne, mon frère, ma soeur. La vie nous enseigne, bien sûr. Oui, les gens oublient beaucoup. Les gens oublient beaucoup. Et tout ça, c'est les femmes. Les femmes. On dit que la majorité des poids de ce monsieur, des victimes de ce monsieur, c'est les femmes. Demain, on sera surpris que le pire va aussi arriver à nos enfants. Mais oui, tu avais soutenu un faux quelque part. Et ce qui va arriver à ton enfant sera similaire. Tout ce qui nous arrive est toujours similaire à ce que nous avons causé aux autres. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Ça a toujours été comme ça. Tout ce qui nous arrive, le mal qui nous arrive, quand tu regardes bien parfois, quand quelqu'un nous cause un mal, c'est aussi ce qu'on a fait causer à autrui. Oui, c'est comme ça la vie. Qui tue pas l'épée, périra pas l'épée. La vie, c'est ça, ça ne ment pas. De la manière que tu viens au pouvoir, c'est de la manière là que tu t'en vas. Hein? Quelqu'un chicote les garçons, il chicote les filles. Il les menace avec l'âme. Il les miroite les vies. Vous ne voyez même pas. Moi, au départ, je disais que ah, c'est un gentleman qui veut vivre. Mais quand déjà, quelqu'un fait derrière les vidéos pareilles, c'est pour intimider les gens. Il n'y a pas midi à 14h. Pour moi, il est à 50% coupable. Parce que les vidéos là, c'est pour les utiliser. Pour faire le trafic d'influence. C'est pour traumatiser ses victimes. Imagine que quelqu'un te casse le derrière, quelqu'un te viole. Et en même temps, quand tu cries beaucoup, il envoie un intermédiaire avec un faux numéro. On te balance sa vidéo. Comment on est en train de donner le café? Tu vas aller porter plainte où? Ça te décourage directement. Tu sens que c'est sûr que voilà un colonel. Voilà un général. Mais oui, tu as peur. Tu as peur. Tu vois les gars de la GP. Mais chacun commence à avoir peur que mais celui-là, c'est même qui comme ça là? Et c'est les farceurs. C'est les gens capables de fabriquer même les faux noms. Ils peuvent donner le nom d'un colonel de l'armée qui est comme ça quelque part. Maintenant, dans la famille, il faut quelqu'un d'être éveillé. Il faut quelqu'un d'être qui est éveillé. Qui va dire que celui-ci n'est pas colonel. Mais oui. Et souvent aussi, on a honte. Souvent, la victime a honte. Est-ce que oui, on a fait ça et puis bon, voilà, je lui laisse ça, ma chance. Alors que le pire est en chemin. Tu ne connais pas qu'on t'a contaminé. Il y a beaucoup de criminels là. Vous connaissez ce qu'il veut dire. Nous tous on connaît les quartiers comme Bonapiso. Bonapiso, imagine. Quelqu'un te prend, il te viole à Bonanjo. Automatiquement, dans ta tête, tu es traumatisé. Tu sens que c'est pas tout le monde qui vit à Bonapiso. C'est pas tout le monde qui vit à Bonanjo. Il y a les personnes quand on te prend, on te fait quelque chose. On te dit qu'on va te prendre n'importe où. On t'intimide, on te traumatise. Les gens ne comprennent pas. Comme tu vois les villageois, mais c'est mené, les gens disent que non, 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 non. Nous, on vit au Cameroun. Nous, on vit au Cameroun. Je connais ce que ça impacte sur la vie des gens. Imaginez-toi, tu es peut-être un garçon pauvre. Tu n'es pas un wise man. Quelqu'un qui vit dans un grand quartier te fait certaines choses. Tu vas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. Si au Cameroun, les gens utilisent les relations de leurs frères seulement pour traumatiser les villes. Pour traumatiser les villes. Mais faites attention, c'est un bourreau. Costaud, faut faire attention. Il a les moyens de sa politique. C'est un bourreau costaud. Il a le nom de son père. Son père était un milliardaire. Il vit dans un quartier huppé. Il fréquente les grands espaces. Donc ça veut dire que automatiquement, il a un déçu sur ses bourreaux. Vous croyez qu'il est fou? Il n'est pas fou. Je sais de quoi je parle. Il est jeune. Et il a ces vidéos qui te met là. On te dit qu'il est toi le militaire. Mais c'est normal, non? Il met l'argent pour ça. Il a les moyens de sa politique. Il a les moyens de sa politique. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut beaucoup faire attention. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Faisons attention. Faites le bon travail. Faites le bon travail. On va vous récompenser. Nous tous, on pouvait mentir sur Facebook aussi là. On peut fabriquer les faux problèmes. Mais on parle, les gens réagissent. On réagit. Je vous dis merci. Merci pour cette marque de confiance. Voilà. Merci pour cette marque de confiance. Voilà, vraiment. Je suis très content. Voilà, et puis voilà. Il faut qu'il peut un peu se reposer. Voilà, un peu. Il va laisser un peu les gens dormir. Voilà, c'est tout. Les enfants un peu. D'autres enfants. C'est ça la vie en fait.
Il y a tous les dégâts collatéraux. Et par la suite, il y a d'autres qui vont profiter grâce aux autres. Mais dorénavant, nous devons former nos enfants. Il faut poser des questions aux enfants. Ouais, mais c'est... Je pose souvent les questions. Mais oui, il faut poser des questions. L'enfant a 16 ans, il faut lui demander, tu as un copain. Il faut parler des choses. Si tu ne parles pas aujourd'hui, quelqu'un d'autre va lui parler de cela. Arrêtons d'avoir honte. Éduquons nos enfants. Alors, ce que tu penses qu'il ne connaît pas, là, il connaît. Mais oui. Récemment, ma fille, qui veut faire le droit, j'ai une bonne qui vient me dire, papa, voici ta fille, voilà ce qu'elle a écrit. Elle a écrit tout un cahier. Elle explique la vie là-bas, la vie de son père. Que son père voyage souvent, il rentre. Son père envoie souvent les choses, sa mère vend. Et puis, son père voulait que telle chose. Son père a un frère, deux soeurs. Ma mère a deux. Elle a expliqué les choses dedans. Tu comprends que voilà une petite fille que tu as déjà négligée. Mais alors qu'elle est en train d'écrire son livre. Elle est en train d'écrire son livre. Elle dit qu'en réalité, elle veut être c'est quoi. Oh. Mais elle se rend compte qu'elle est très forte en littérature. Voilà. Et puis ça va en commun accord avec le droit, tout et tout. Elle pense que non, elle va être avocate parce que son père aime ça. Parce que son père avait voulu que tel devienne avocat. Mais il a été déçu. Mais pour plaire plaisir à mon père, et comme moi j'aime l'avocature, je vais battre pour être avocate. C'est une fille qui parle ça. Donc c'est pour dire que quoi? Ce que tu dis que l'enfant ne connaît pas, l'enfant connaît déjà. Mais il faut seulement l'orienter. Lui dire que ce que tu vois là, c'est mauvais. Ceci est bien. Faites beaucoup attention. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants. Hein? Avec les réseaux sociaux. Avec... Nous, on n'a pas la télévision, mon frère. Nous sommes nés dans les années 79, 80 là. La télévision était rare, non? La télévision était rare. Alors, aujourd'hui, l'enfant est veillé. L'enfant a le game à la maison. L'enfant a la PlayStation. L'enfant lui-même change les choses. L'enfant télécharge les choses dans le téléphone de sa mère. Mais oui, l'enfant fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Peut-être oui, toi tu es le père, on a peur de toucher ton téléphone. Ton téléphone est codé. Mais est-ce que la mère code son téléphone? Nous tous on connaît que le téléphone de la mère est le téléphone que tout le monde peut avoir accès. Donc ça veut dire que pendant qu'elle est en train de préparer là, ils sont tellement rapides. Ils connaissent les choses que tu ne peux pas connaître. Et bien, l'enfant prend ton téléphone, il manipule. Il a une option qu'il a cachée. Donc quand il n'utilise pas, il bloque ça quelque part. C'est quand il veut utiliser que c'est nous qui les envoyons faire informatique. Alors que nous-mêmes, on ne connaît pas l'informatique. Pour l'école, on les envoie se former en informatique. Tu penses que tu peux être vigilant que lui? Il a un bon cerveau, il a un cerveau frais. Au lieu de les cacher certaines choses, il est mieux de les dire. Il est mieux de les en parler. On est là, tout le monde dit que l'enfant est petit. C'est quand le pire arrive que, hey, voilà mon fils que récemment, au Cameroun, il me dit qu'il y a un ami de classe qui veut le... Il dit que, mais comment? Qui veut le voir, il dit que mais un ami de classe, ça te prend pas où là? Moi j'étais pas là, j'étais à Yaoundé. Sa mère me dit que non, il a dit qu'il va. Il dit que monsieur, tu pars où? Mais tu es malade. Tu es malade. Mais qu'est-ce qui ne va même pas là? Dis-moi un peu là. Mais attendez, tu veux dire que tu sors, mais c'est le 11 ou c'est le 11 février pour partir. C'est l'autre jour là qui dit que c'était un ami de Facebook. Et que tu as vu. J'étais toujours. Fais attention! Mais tu mets une pète dans ta tête. Mais fais attention, il faut se parler aux enfants. C'est une affaire peut-être, ça fait peut-être un an. Peut-être un an. Que mais attends, tu ne vois pas ce que ton père fait. Tu ne dis pas, tu vois ce que ton père dit. Est-ce qu'on veut t'inviter, tu pars où? On t'a dit que parce que tu es karatéka, mon ami, tu pars où? On va t'enseigner à 10 personnes, tu aimes qui? On te tend de l'âme, petit imbécile que tu sois. Tu pars où? Faut beaucoup faire attention, les gars. Que non, la voiture ne n'entre pas. Même si c'est mon ami. Tu pars où? On te donne l'argent. Ton argent, c'est gars, tu marches à pied. Tu pars à la direction de l'école. Tu dis à un professeur là-bas, que, à un maître, que pardon, bipé mon père. Bipé ma mère. Toi, tu pars où? Même le taxi, vous n'entrez pas. Le taxi, vous n'entrez pas. Votre mère va vous accompagner à l'école. Si le bus de l'école ne vient pas, vous ne partez pas. Vous n'entrez pas. C'est comme ça. Vous ne dites pas ça. Hein? Les gars vont venir là, ils font semblant. Là. Taxi, taxi, on entre, c'est parti. Hein?
C'est parti. Beaucoup fait attention, les gars. Faut beaucoup faire attention. Voilà. Merci à celui qui m'a fait les étoiles, là. Voilà. Merci à celui qui m'a fait les étoiles. Beaucoup fait attention, les gars. Donc, l'association Banga Diaspora célèbre ses 8 ans d'existence. Donc, je vous demande d'aller participer. Merci à cette soeur du Luxembourg. Voilà qui m'a fait un dépôt. Je te dis merci, ma soeur. Voilà. Merci à ma soeur Mich. Mich du Luxembourg. J'ai reçu ton argent. Voilà. Le numéro Orange Money, c'est le 696-94-32-42. C'est pour soutenir les mineurs, les prisonniers mineurs de la prison de Mbanga. C'est samedi. Donc, nous sommes déjà mercredi aujourd'hui. Donc, je demande à mes fans, à tous ceux-là qui soutiennent tout ce que je vais faire, voilà le moment de me soutenir. Voilà, c'est comme ça que moi, je vis. Et c'est là où je tire mon inspiration. Vous me demandez que Mbanga, mais tu prends toute l'inspiration là-haut, toute l'énergie là-haut. Non, c'est parce qu'à un moment de ma vie, je laisse les écrans, je passe à une autre phase. La phase de tendre la main aux autres. Et voilà pourquoi je vous demande de m'accompagner dans cet élan de solidarité. C'est comme ça que je vis. C'est ça qui me protège au moins. Vous savez que nous, on met les activités dangereuses. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui protège même la famille. Il ne faut pas se m'embavader sans se protéger. Vous savez que je ne suis pas comme les autres. Moi, je vis au Cameroun. Je suis différent des autres. Moi, je vis au Cameroun. Donc, je suis quelqu'un que c'est Dieu qui me protège. C'est Dieu qui me protège. Laissons les affaires qu'on va dire sécurité là. Non, c'est Dieu qui me protège. Laissez ça. Parce que Dieu ne me protégeait pas parce que je suis dans la mort. Que je suis dans la mort. Parce que je suis dans la mort. Donc je vous demande de m'assister dans cet élan de solidarité. Voilà le numéro Orange Money. 696-94-32-42. Merci à toi, ma soeur Blandine. 696-94-32-42. MTN Money, c'est le 683-40-97-55. Ça répond aussi à WhatsApp. Quand tu fais le dépôt, tu me fais la capture d'écran et tu m'envoies. Tu peux envoyer par TapTapSend, tu peux envoyer par Western Union, j'ai un autre Jean-Jean, ça entre dans le compte. Il y a aussi le lien PayPal qui est là. Voilà. Tu es la bienvenue. Je vous dis merci. Et c'est avec cette mentalité que nous allons construire l'Afrique. Pour une fois de plus, vraiment, il faut qu'on dise merci. Merci une fois de plus à Mark Zuckerberg. Il faut dire merci à Mark Zuckerberg. Par tout ça, on est ici comme ça à cause de Mark Zuckerberg. Voilà. C'est grâce à Mark Zuckerberg qu'on peut sauver des vies, qu'on peut dénoncer, qu'on peut apprendre, qu'on peut lire les autres, qu'on peut collaborer, qu'on peut devenir les amis, on peut devenir les frères. C'est ça. Tout ça, c'est grâce à Mark Zuckerberg. Et c'est ça. Désiré, dis-moi. Voilà ma soeur chérie. Voilà. Et ceux qui ont dit que je n'appelle plus leur nom. Mais pour moi, les problèmes. Voilà. Si c'est passé une bonne journée, je vous aime. Big up.